Welcome to the school。台湾跟法国的关系从1884年法国第一次来台湾持续到现在，在台湾的法国人是常驻台湾的欧盟人民中最多的，家乐福也是在台湾雇佣最多员工的外籍公司。虽然法国和台湾之间因为国际关系有一些障碍，但两国的关系越来越丰富，越来越精彩，不管是文化、科技各方面都有。尤其是今年台湾寄几千万口罩给欧洲国家的时候，法国也有受到台湾的帮忙。今天7月14号是法国国庆日，这个礼拜前，法国在台协会代表法国的国家机关跟我联络说，法国代表有话想要对台湾说。那我们欢迎法国在台协会的主任龚苏蒙主任，欢迎。你好，我是龚苏蒙。Yeah, 欢迎 ，Merci Monsieur le Directeur de nous recevoir en votre domicile, ça fait plaisir. Il n'est pas forcément évident pour tout le monde de comprendre quel est votre rôle ici à Taïwan. Est-ce que vous pourriez nous l'expliquer en quelques mots ? Oui, alors d'abord je ne travaille pas seul, je travaille avec toute une équipe et notre métier c'est de faire des ponts entre Taïwan et la France pour que les Français connaissent mieux Taïwan, que Taïwan connaisse mieux la France et que les uns et les autres se visitent dans tous les domaines, l'économie, la culture. Puis on a des valeurs en commun, des valeurs démocratiques et donc on a des choses à se dire. Alors j'ai cru comprendre que ça faisait pas si longtemps que vous étiez en poste. Quand est-ce que vous êtes arrivé à Taïwan ? Je suis arrivé en septembre, ça fait 10 mois. Et quel poste vous avez occupé auparavant ? Alors j'ai fait la moitié de ma carrière à Paris. À l'étranger, c'est mon 6e poste. Donc j'ai commencé en Asie, au Vietnam, à Jakarta. Et puis ensuite au Japon. Et plus tard, j'ai voulu changer, alors je suis allé en Tunisie, plus tard encore au Canada. Et puis je me suis dit qu'il était temps de revenir en Asie. Eh bien écoutez, comme ça fait pas si longtemps que vous êtes arrivé à Taïwan, je suppose qu'il y a beaucoup de mets taïwanais que vous n'avez pas encore eu l'occasion de goûter. Oh, sans doute. Et donc, pour vous faire un peu plus comprendre la culture locale en profondeur, nous avons préparé quelques petits mets spéciaux à vous faire goûter. Soit. On va commencer par Pidan Tofu. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Il y a un œuf et du soja. Un œuf et du soja, effectivement. Donc vous l'avez jamais vu encore ? Non, pas comme ça. Je voulais goûter. Vous savez où servir de baguette ? Je me suis un peu entraîné, oui. Alors l'idéal, c'est d'abord de couper l'œuf en deux et de prendre un petit morceau d'œuf avec le tofu. Et plusieurs épreuves en même temps. Voilà. Je vais pas pouvoir couper un petit morceau, mais je vais vous aider, oui. Vous aider. Voilà, à deux, on y arrive. Voilà. C'est très bon. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Qu'est-ce que ça a comme goût ? Il y a un goût d'œuf, évidemment, mais un petit goût de terre ou quelque chose comme ça. Exactement. Parce que c'est un œuf qui est en fait macéré dans un mélange de boue, de riz, de cendre, de sel et de feuilles de thé pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, selon la méthode de préparation. Et donc ça s'appelle, en français, l'œuf centenaire. Ben, j'avais lu, mais je connaissais, mais j'avais jamais goûté. Est-ce que vous pensez que vous pourrez en manger par la suite ? Ah oui, oui. Eh bien écoutez, je suis impressionné. Ça, normalement, c'est un niveau qui est assez élevé en difficulté. Non, c'est doux. Et moi, je préfère les plats un peu doux. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. J'imagine qu'avant de venir à Taïwan, vous avez un peu préparé votre séjour. Quelles étaient les impressions que vous aviez par rapport à Taïwan avant de venir ici ? J'ai commencé à préparer mon séjour avec des dossiers, bien sûr, mais surtout en rencontrant des gens. C'est ça qui est important, des Français, des Taïwanais. Il y avait toujours un point commun, c'est que les gens qui me parlaient, qui connaissaient Taïwan, avaient toujours une petite expression de nostalgie ou de regret. Soit Taïwan leur manquait, ils allaient y revenir, soit ils étaient partis pour autre chose, mais ils n'arrivaient pas à oublier. Il y avait toujours, et certains l'exprimaient, quelle chance vous avez de partir à Taïwan. Vous connaissez les Français, ils râlent, ils se plaignent. Oui, ça c'est notre sport national. Voilà. Voilà, nous sommes les meilleurs à ce sport. Les Français à Taïwan, ils sont heureux. Ça, c'est un choc. Et voilà, parce que ça, c'est... Oh, effectivement, ça, c'est vrai que c'est pas facile. Alors, maintenant, pour partir un peu plus en profondeur, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus des relations franco-taïwanaises ? Alors, il faut dire qu'on parle d'une situation dans laquelle on se connaît pas ou mal. Les Français connaissaient mal Taïwan et même ne le situaient pas vraiment sur la carte. Il me semble qu'aujourd'hui, en ce moment, les Français et les Taïwanais apprennent à mieux se connaître. Alors, c'est certain que l'actualité a beaucoup aidé Taïwan à être connu à l'étranger. Mmh. Et vraiment, là, il y a eu une évolution très forte. Et puis, nous, on essaie de montrer que l'image de la France, c'est pas seulement des traditions, mais c'est aussi des choses plus modernes. Mais là pour convaincre les Taïwanais qu'on a plein de choses à faire ensemble. Je suis sûr qu'on a beaucoup de choses à faire ensemble et je suis sûr que Taïwan saura conquérir votre cœur et votre estomac avec le deuxième plat que nous avons préparé et c'est un plat qui me tient extrêmement à cœur. Et j'ai donc l'honneur de vous présenter mon aliment préféré à Taïwan qui s'appelle
Uton. Alors, par lequel vous voulez commencer? On a une boisson et on a un gâteau. Le gâteau? Eh bien, allez-y. Moi, je vais en manger avec vous parce que ça me fait plaisir. Pas vous gêner. Le fameux Uton. C'est doux. C'est doux. C'est très doux. C'est presque un peu trop doux. Ça me fait penser un peu à du haricot ou alors de la patate douce. On pourrait l'appeler la cousine de la patate douce. Ça s'appelle le taro. C'est du taro. Vous connaissez le taro? J'en ai mangé comme ça, mais jamais sous cette forme. Mon favori et la chose qui m'a fait aimer le taro, c'est le taro au lait. Ouais. Et je vous propose d'abord de lui donner une petite secousse parce que tout ça, c'est du taro. D'accord. Donc il faut le... comme ça. Ouais. Vous voyez, faut bien le... voilà. Faut y aller. Ah oui. Que travailler aussi. Voilà, c'est ça, on fait un petit peu de muscu en attendant. D'accord. Et là, vous êtes bon. Je vous donne une paille. Merci. Il faut y aller d'un coup sec. Tac, comme ça. 1, 2, 3. Oh, vous avez réussi. Santé, monsieur le directeur. Santé. C'est bon. C'est bon. Oui, oui, c'est très bon. Qu'est-ce que ça vous évoque, hein? Ça m'évoque mes desserts au tapioca quand j'étais enfant. En France, hein? En France. Que faisait ma mère. Ouais. Et par contre, avec la noix de coco, c'est particulier, c'est très bon. Si jamais on pouvait un peu faire de la pub pour le taro en France... On y va. Eh ben voilà, ouais, écoutez, on commence l'exportation du taro taïwanais en France avec l'aide de monsieur le directeur. La raison principale pour laquelle nous tournons cette vidéo aujourd'hui, c'est que en tant que plus haut représentant de la France à Taïwan, vous avez un mot à dire à Taïwan et à la population taïwanaise. C'est vrai, c'est la fête nationale aujourd'hui en France. J'ai un seul mot à dire, mais j'ai à le dire 3 fois. Et c'est très important pour nous. Ce mot, c'est merci. Merci à Taïwan. Merci une première fois parce que tous les Français de Taïwan se sont sentis en sécurité pendant toute cette crise. Et pour nous, c'était extrêmement précieux. Nos amis, nos familles en France savent à quel point cette crise a pu être difficile. Ici, on était au confort et en sécurité. Donc merci une première fois. Une deuxième fois parce que Taïwan nous a aidés. Le gouvernement taïwanais a adressé 1 million de masques. Des Taïwanais nous ont spontanément fait des cadeaux également qu'on a acheminés vers la France. Donc merci une deuxième fois. Et puis une troisième fois, merci. Parce que c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Face à cette crise, face au Covid-19 qui a frappé toute la planète, Taïwan a fait la démonstration qu'une société démocratique était capable de combattre ce péril et de peut-être le vaincre, c'est encore un peu tôt, mais en tout cas d'assurer la sécurité de sa population et de tous ceux qui y vivaient. Et cette démonstration de la solidité des valeurs démocratiques face à une épidémie, eh bien merci, parce que c'est une leçon pour nous tous et pour toujours. Merci Taïwan, chiché Taïwan. Merci beaucoup, monsieur le directeur. J'espère qu'on pourra combattre ensemble et vaincre ensemble ce virus. J'espère que les relations franco-taïwanaises pourront continuer à prospérer. Quelles sont vos espérances ou vos attentes par rapport à l'évolution des relations franco-taïwanaises? Moi, avec mon équipe, mais c'est aussi un objectif vraiment personnel, je veux qu'on ait plus de jeunes Taïwanais qui viennent en France pour étudier et pour s'amuser aussi, pour avoir du bon temps. Je sais qu'il y a de plus en plus de Français, de jeunes Français qui viennent étudier ici à Taïwan, et c'est une très bonne chose. On mettra éventuellement des liens en description pour les gens qui sont intéressés à aller étudier en France. Merci beaucoup, c'est monsieur le directeur, merci beaucoup de nous avoir reçus. Et j'ai une phrase de fin qu'il va falloir que je vous apprenne. Woman, regarde-nous. Xia zi jian. Xia zi jian. Voilà, on se voit la prochaine fois. Woman, xia zi jian. Bye bye. Bye.